Sportliche Unterhaltung mit AST Birrer GmbH, euer Spezialist für die Entsorgung von Sonderabfällen. ast-birrer.ch. Count it. Now I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Bonjour, j'espère que vous vous êtes bien échauffés car l'émission de sport d'aujourd'hui va aller très très vite. Nous nous trouvons au stade du Wankdorf à Berne, c'est le fief des femmes les plus rapides de Suisse. L'équipe suisse féminine de relais 4x100 mètres a fait rêver le public à de multiples reprises, mais pour réaliser des exploits, il faut d'abord s'entraîner. Alors comment elles font? C'est ce que nous allons découvrir avec Raphaël Monachon qui est leur nouveau coach. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc on vous connaissait déjà dans la maison puisque vous avez entraîné l'équipe de relais féminin des moins de 23 ans, équipe avec laquelle vous avez d'ailleurs, qui a d'ailleurs réalisé 2 médailles de bronze au niveau international. Aujourd'hui, on vous donne les rênes de l'équipe principale. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est votre sentiment? C'est en fait une continuité puisque j'ai l'habitude de travailler avec les filles. C'est des filles que j'ai déjà eues aussi dans le cadre du relais U23, du relais U20, j'étais aussi entraîneur du relais U20, j'ai passé toutes les étapes et maintenant on m'a donné la mission d'amener les filles le plus haut possible avec l'équipe 1. C'est un peu comme le relais, vous y allez étape par étape dans l'ordre. Tout à fait, oui, parce qu'il faut apprendre son métier et puis maintenant je pense que j'ai les compétences nécessaires pour avoir la technique et savoir comment motiver les filles et c'est ça qui est important. L'équipe que vous entraînez maintenant a vraiment des grandes ambitions. On l'a vu lors des Mondiaux à Londres où elles ont remporté la 5e place, elles ont battu le record suisse. Pour vous, comment vous faites pour répondre en tant qu'entraîneur à ces grandes ambitions? Ce qui est important pour moi, c'est déjà d'avoir des filles qui courent vite en individuel. Et après, c'est de travailler avec elles sur le stade pour avoir des passages qui deviennent toujours plus stables et plus performants. Et c'est ça qui permettra à l'équipe d'arriver encore plus haut, en tout cas au niveau européen. Durant l'entraînement, c'est sur quel paramètre que vous insistez le plus? Alors, le paramètre le plus important, c'est la vitesse de transmission du témoin. C'est ça qui est le plus important et d'arriver avec 2 filles qui sont pratiquement à leur vitesse maximale pour arriver à faire une performance de haut niveau. Pour la prochaine étape, nous retrouvons Corinna Gobeau. Alors Corinna, est-ce que tu t'es bien échauffée? Stefanie, das ist dir definitiv nicht nötig, sich selber einzuwärmen. Hier wird einem schon nur vom Zuschauen warm. Bei mir ist die schnellste Schweizer Sprinterin, Muzinga Kambunji. Sie kennt die Tartanbahn hier in Bern als eine von hier bestens. Muzinga, Trainerwechsel, das ist immer etwas, wo man sich neu darauf einstellen muss. Wie ist es euch im Team gegangen und vor allem, was erwartet ihr jetzt vom neuen Trainer? Ich glaube, es ist recht gut gegangen, der ganze Trainerwechsel, weil viele Raphael schon kennen. Und das war für viele eigentlich nichts Neues gewesen. Ich kenne Raphael auch schon ein bisschen als Staffeltrainer. Aber ich glaube, es ist eigentlich sehr gut gegangen. Das Wichtigste ist, eben, dass sich alle wohlfühlen, dass es für alle passt. Und es hat bis jetzt eigentlich sehr gut funktioniert. Jetzt hat er eine neue Bestzeit aufgestellt, 52,5 Sekunden. Und jetzt geht es im August an die EM zu Berlin. Steigen ja immer die Erwartungen, jetzt hat man neue Bestzeit, jetzt will man noch mehr und noch mehr. Wie geht man mit diesem Druck um? Für uns ist es eigentlich normal, wir wollen immer jedes Jahr schneller werden, auch wenn wir jetzt eine Bestzeit haben gemacht. Wir haben immer das Gefühl, es geht noch besser. Bei diesem Wechsel kann man sicher noch etwas rausholen. Ich bin schon ein bisschen schneller geworden, die anderen bin ich sicher, können sich auch noch mal steigern und noch mal schneller werden als letztes Jahr. Und das sollte dann eigentlich schon möglich sein, aber unser Ziel ist schon klar, eigentlich immer schneller zu werden für uns. Merci vielmals, Muzinga Kambunji.
Wir tauchen jetzt ab in die Analyse. Wir wollen schauen, so einen Sprint, wie kann man den noch verbessern oder kann man den auch noch korrigieren? Und zusammen mit dem Trainer schauen wir den Sprint von der Sarah Accio an und schauen, was da noch rausgeholt werden kann. Die 23-jährige Lausannerin Sarah Accio gehört zur Schweizer Sprintelite über 100 und 200 Meter. Die U23 Vize-Weltmeisterin über 200 Meter ist über die gleiche Distanz an der letzten Weltmeisterschaft in London auf einen 14. Platz gelaufen. Aber in der Staffel rennt man nicht nur gegen das Feld. Auf die Feinabstimmung bei Stabübergabe kommt es darauf an. Und um diese Abläufe zu verbessern, ist der Trainer Raphael Monachon neu zum Team dazugestossen. Es sind vor allem Details vor Staffeln, dass alle Übergaben millimetergenau funktionieren. Das sieht er halb von außen. Wir können das während dem Rennen nicht noch analysieren. Er spürt die Atmosphäre und die Motivation von jeder Einzelnen. Wenn einer müde wird, passt er die Schritte an. Er kennt uns persönlich und weiss, wie er uns motivieren muss. Für das Rennen ist das Wichtigste. Wie wir uns motivieren, wie wir uns die gute Humeur etc. Und für eine Kompetenz ist das Wichtigste. Auch bei höchster Konzentration klappt es nicht immer mit der Übergabe. Bei dieser Millimeterarbeit entscheidet unter anderem das perfekte Timing über Sieg und Niederlage. Auch wenn im Training der Spass nicht fehlen darf, am Coach seinen Augen entgeht nichts. Sarah muss einen stabileren Hang bekommen. Im ersten Lauf haben wir gesehen, dass ihre Hangalbe noch zu weit unten ist. Wenn sie das korrigiert, sind die Übergaben sofort viel schneller. Der Passage des Témoins se fait plus rapidement. Die Fehler werden also sofort analysiert und korrigiert. Für Sarah Accio ist klar, bei welcher von beiden Stabübergaben sie anfälliger ist. Und sie weiss auch genau warum. Au moment du passage en lui-même, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de prendre le témoin, sachant que. Im Moment vor Übergabe selber ist das Schwierigste, den Stab zu übernehmen. Es ist schon schwierig, im richtigen Moment zu starten. Dann kommt jemand in Höchstgeschwindigkeit mit mehreren Stundenkilometern drauf von hinten. Da darf man beim Losrennen nur 10 cm Abstand haben. Das ist schwer, im richtigen Moment zu reagieren. Man muss schnell losrennen, aber mit einer Bewegung gegen hinten. Ja, das Übernehmen vom Stab ist das Schwierigste. Die Stimmung innerhalb des Teams stimmt. Aber bis zur EM, diesen Sommer in Berlin, müssen all die Abläufe verinnerlicht werden. Am Raphael Monachon ist nämlich auch bei den restlichen Sprinterinnen Ähnliches aufgefallen. So, l'œil nu, c'est bien. Donc, regardez avec la vidéo. Mais la précision aujourd'hui, c'est pas ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est plus par le bras qui n'est pas donné correctement. Hein, d'accord? Vous l'avez compris, ici sur la piste, c'est l'esprit d'équipe qui prime et même les meilleures coureuses, si elles manquent d'esprit d'équipe, peuvent perdre la course. Et pour en parler, nous retrouvons Fanette Humer. Alors Fanette, vous avez eu des belles performances au niveau individuel et là vous avez intégré l'équipe. Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça change qu'on s'entraîne au niveau individuel ou collectif? Alors c'est clair que c'est
pas la même chose. Bon, à la base, l'athlétisme, c'est un sport individuel. Et puis, quand j'ai intégré en 2012 le relais, c'était vraiment une nouvelle expérience. Et je peux dire que ça fait vraiment plaisir aussi d'avoir des expériences en équipe, vu qu'on est souvent seul. Et puis, moi, je fonctionne beaucoup avec les émotions. Puis, c'est vrai que, par exemple, sur les stades avec l'équipe, les émotions, elles sont multipliées, triplées, quadruplées, enfin, avec toutes les filles. Et puis, ça, je trouve que c'est presque ce qui change le plus. La motivation aussi, la responsabilité, donc on compte pas que sur nous, en fin de compte on sait que les filles aussi comptent sur nous, et c'est une sacrée adrénaline, et je pense ouais, c'est une autre adrénaline quand on est en individuel et puis qu'on compte que sur notre sort à nous, quoi. Donc c'est intéressant. Et puis au niveau de l'équipe, on peut s'imaginer, il y a 4 places disponibles, vous êtes un peu plus que 4, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes solidaires ou est-ce qu'il y a quand même un peu de compétition entre vous? Alors c'est clair que la compétition, elle existera toujours. Après, on a toujours dit que c'était une compétition saine, et ça, j'y crois. On fait ce sport et on sait que, ma foi, c'est la loi du sport, c'est celle qui court le plus vite qui aura sa place. Donc après, si on n'est pas dans les 4, ben, ça veut dire qu'il y en a 4 meilleurs. Donc ça, il faut aussi l'accepter, c'est le sport. Donc celle qui ne l'accepte pas, et ben, ma foi, il faut qu'elle retourne travailler sur elle-même, quoi. Donc c'est clair que moi, j'ai toujours accepté qu'il y en ait d'autres qui court à ma place. Et puis du coup, c'est ça aussi qui te motive à te surpasser, à être meilleur, parce que tu as envie d'être justement dans l'équipe. Donc c'est vraiment plutôt positif. Wir bleiben bei den Rennen, aber das Mal gehen wir zu den Langstreckenläufen. Mit dem 100-Kilometer-Lauf von Biel in der Nacht vom Freitag auf den Samstag. 7 Stunden und 28 Minuten hat der Italiener Hermann Achmüller dafür gebraucht. Der Favorit bleibt seiner Rolle bis am Schluss treu und gewinnt die 60. Ausgabe von der Nacht der Nächte. Bravo! Sensationell! Wirklich sensationelles Rennen. Ich bin super glücklich. Ich hatte leider ein kleines Missgeschick, schon bei Kilometer 17. Ich bin einen Kilometer zu viel gelaufen, also ich kam von der Strecke ab. Und dann hatte ich schon 10 Minuten Rückstand und das war dann schwer mental. Aber ich habe an mich geglaubt und bin jetzt super glücklich, dass ich hier im Ziel bin. Aber schwere Arbeit. Aber zurück zum Anfang. Punkt 10 Uhr am Abend geht es für die Läufer los. Es ist der Jakub Glaciar aus Polen, der gerade die Führung übernimmt. Nach ungefähr einer Stunde fängt es an zu regnen. Bei 30 km Marke ist der Leader seinen Verfolger ganze 4 Minuten voraus. Aber der Pol kann diesen Rhythmus nicht beibehalten. Nach 41 km überholt ihn der zukünftige Sieger vom Rennen. Der Hermann Achmüller lässt nichts anbrennen. 4 Minuten nach dem Sieger kommt der Rolf Thalinger, der letztes Jahr das Rennen gewonnen hat, ins Ziel. Er hat eine Reserve gehabt, er ist erfahren, er hat die Krise gemeistert. Und ja, das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Dort ist der Erste, der dort geführt hat, nicht ein erfahrener Ultraläufer gewesen. Und den konnte ich ihn dann einholen. Und heute habe ich einfach mein Bestes gegeben und das war das Maximum, das ich konnte. Und ich bin sehr froh, bin ich eigentlich relativ knapp hinter ihm ins Ziel gekommen. Die grosse Überraschung vom 100-Kilometer-Lauf gibt es aber bei den Frauen. Die Wattländerin Claudia Bernasconi macht das erste Mal mit und gewinnt das Rennen auch gerade. Und das unter eher ungewöhnlichen Umständen. Vorher habe ich nur 10-Kilometer-Läufe und Marathons gemacht. Vor 5 Monaten habe ich ein Baby bekommen. Bei einem Marathon komme ich nach der Geburt nicht auf die nötige Geschwindigkeit. Darum laufe ich jetzt weiter, aber weniger schnell. Mehr zu den Bieler Lauftagen erfahrt ihr am Donnerstag in unserer Sendung «Rendezvous». Wenn die blitzschnellen Frauen auf der Bahn stehen und in die Startblöcke steigen, dann sind sie auf sich alleine gestellt. Der Coach wird zum Zuschauer. Oder kann er doch noch etwas zum Erfolg beisteuern? Dieser Frage geht Stephanie Gassacher nach. Alors, durant les compétitions, vous vous êtes ici dans les tribunes, vous ne pouvez pas être au bord de la piste. Comment vous faites pour donner des conseils à vos coureuses? Alors, les conseils, on les donne avant la course, puisque à la course, elles n'ont de toute façon aucune chance de passer le témoin. Donc, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire avant. On travaille ça durant les entraînements et dans la préparation et l'échauffement avant la compétition importante. Et en fait, dans la tribune, je suis juste là pour observer qu'est-ce qui va se passer. Et puis, soit c'est moi qui filme, soit c'est un de mes collègues pour après donner un feedback aux filles. Mais au moment où elles sont sur la piste,
elles savent exactement le nombre de pieds qu'elles doivent avoir et ça s'arrête là. En fait, moi, je ne fais plus rien. Je suis là juste pour les encourager, mais je ne peux plus trop les aider à ce moment-là. Au niveau, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'équipe, les médias, le public, la fédération. Vous, est-ce que vous ressentez cette pression et comment vous la gérez ? Alors pour le moment, je ne la sens pas encore parce que c'est la première fois que je vais travailler avec les filles dans un grand championnat. Pour le moment, on est dans l'entraînement, c'est encore tranquille. Les filles, comme vous l'avez pu le voir aujourd'hui, elles sont vraiment très attentives. C'est facile de travailler avec elles. Elles répondent à tout ce que je demande. C'est clair qu'au moment où on devra courir dans le stade rempli avec des gens qui ont des grandes attentes, ainsi que les journalistes et bien sûr ma fédération, mais les athlètes elles-mêmes ont aussi une attente pour faire des performances. Donc tout le monde se met une pression, mais il faut utiliser cette pression de façon sainement. Je l'ai déjà un peu vécu avec les U23, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pour moi, ça fait partie de mon rôle d'entraîneur. Je dois accepter cette pression, ça ne me pose pas de problème. J'étais aussi athlète de haut niveau, donc je l'utilise avec bénéfice. Et au niveau, la prochaine étape, c'est les championnats d'Europe à Berlin. Vous, quels sont vos objectifs personnels en tant que coach ? Alors, les objectifs en tant que coach, c'est de finir sur le podium. C'est l'objectif aussi de la fédération et des filles. Mais on prépare l'équipe dans cette optique-là. Maintenant, Berlin, c'est encore loin. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais nous, on va faire tout notre possible pour pouvoir monter sur le podium. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Corinna, pour le mot de la fin, je te passe le témoin. Hiermee sieht man es noch. Die Athletinnen haben noch die letzten Minuten vom 4x100 Staffeltraining. Sie und aber auch wir haben diese Woche viel gelernt und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Habt einen ganz schönen Abend. Sportliche Unterhaltung mit AST Birrer GmbH. Euer Spezialist für die Entsorgung von Sonderabfällen. ast-birrer.ch